François, je t'ai entendu à la radio. Eh ben écoute, je suis soulagée parce que je savais que ça allait pas, mais comme ça, je sais que ça va mieux. C'est mieux quand même. Hein. En même temps, j'ai pas l'impression que tout le monde ait bien compris que ça allait mieux. Bah, ils font des grèves partout. Regarde, les cheminots font la grève, les RATP ils font la grève. Demain, la police va faire la grève. Et puis, il y a des manifestations partout. Des manifestations partout. En veux-tu, en voilà. Alors heureusement que ça va mieux, parce que si ça n'allait pas mieux, c'est pas, hein. Peut-être tu devrais plus leur dire que ça va mieux, tu vois, ou que tu sais pour nous que ça va mieux, que nous peut-être on se rend pas bien compte, hein, parce qu'on est, on n'est pas président, on sait pas, hein. Alors on n'est pas président. Et toi, on te demande si tu veux être président l'année prochaine, tu sais pas. Tu sais pas si tu vas te présenter aux élections. Là, aujourd'hui, tu sais pas. Hein, tu lui dis non, je sais pas, je vous dirai ça au mois de décembre. Là, t'as pas réfléchi du tout à l'affaire. Oui. On te croit pas trop. Hein. On n'est pas là non plus, on te croit pas. Hein. On croit que tu sais ce que tu vas faire. Hein. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que tu proposes de baisser les impôts l'année prochaine, au mois de juillet. L'année prochaine. Mais au mois de juillet l'année prochaine, normalement, t'es plus président. Enfin, on sait pas, hein, parce que comme tu sais pas non plus si tu vas te présenter ou pas, et tu nous le diras au mois de décembre, on peut pas savoir, hein. Moi, à ta place, François, au lieu de dire ça va bien ou ça va mieux, hein, j'aurais dit écoutez, ça aurait pu être pire. Voilà. Ça aurait pu être pire, au moins on te croyait. Enfin, on te croyait. Un peu. Parce que pire, tu me diras. Non, mais pour moi, au niveau de la météo, je trouve que pour le coup, ça va mieux. Hein, il fait bon aujourd'hui. Et peut-être aller faire un tour. Salut!